Hey, salutations les kikis! Salut les kikis! Allez, on est en train d'essayer de réaliser une mission qui consiste à venir en aide. Yes! Oh, j'ai flippé, j'ai cru que j'allais tomber dans l'eau, je l'ai. Est-ce qu'on peut monter par là ou est-ce que c'est du fake? C'est du fake. C'est vrai, c'est compliqué de savoir hein, quelles sont les parois qui sont. Ah, normalement, celles qui peuvent. Ah, on les voit, c'est plutôt, celles qui voilà. sont là-bas, là, bétonnées un peu à la mode portugaise, quoi. Par contre, là, j'ai un problème. Mon ordre de mission, secourir les rescapés prisonniers, localiser et libérer les prisonniers. Donc, je suis là où il a dit qu'il fallait être. Néanmoins, j'ai encore vu personne. Alors, est-ce que c'est pas moi, là, qui suis... qui ai besoin d'aide? On voit un grappin là-bas, Auré. Ouais, j'ai pas le grappin, si. Ah ouais? Ah, t'as peut-être raison, attends. Ah, mais oui, j'ai le grappin maintenant. Mais pas cette oh, tu viens pas de gaspiller, t'es super... Le putain de boulet. Ah, attends, comment est-ce qu'on fait pour le grappin? RT, c'est quelle touche? En fait, il faut que tu... Ah non, faut que j'aille là-bas. Mais n'importe quoi, je t'ai fait faire de la oui, merde. Regarde. Oh putain. Yes. Ça c'était la plus belle prise de rattrapage du siècle. Ah ouais, mais je pense qu'elle s'est fait un tour de rein déjà. Une luxation de l'épaule aussi. Aussi. Un petit tonneau. Ok, à force de changer de jeu toutes les 5 minutes, je me trompe dans les touches. Bon, ça il fallait un baril, hein. On pouvait pas le faire. C'est pas un oubli. Un baril. Un baril, exactement. Allez. Là, je peux l'attacher. T'as fait ça en 2 secondes, top chrono. On monte à califourchon, lâche pas. Le cochon pendu. Lâche pas, petite. Regarde pas en bas, surtout. Bah, maintenant, tu lâches. Ok. Ok, il doit y avoir des rescapés quelque part. Alors. Allez, tu peux grimper, non, peut-être, au-dessus. Oui, tu as raison. Mais est-ce que c'est le bon chemin? Ah, oui, oui, tu vois, il m'indique que... Je suis sur la route des rescapés. Allez. Alors je la fais la mission, c'est une mission secondaire, hein, puisque vous voyez que quand j'active la minimap... Oh là là, je vais me rater. Quand j'active la minimap, vous voyez tout de suite qu'il y a une sorte de gros losange là. Mais c'est ça, hop. Pour m'indiquer ma mission principale. Mais la dernière fois qu'on a fait une mission secondaire, on a obtenu un, je crois, le laser ou quelque chose comme ça, donc... C'est pas rien. Elle a un pied dans le vide. Alors, elle est sur le qui-vive. Voilà. Ok. C'est là-bas que ça va tousser. Oh ouais. L'autre a dû passer par la coupée. Espèce de sale rat. Espèce de sale rat. C'est dans la tête, bébé, vas-y. Oh, oh. Oh là là, oh, le putain, mauvais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Attends. Non, non, trop loin maintenant, ouais. Je vais le laisser. Il va revenir. Oh, là-bas. Allez, putain. Je te vois. Moi aussi, je te vois. Et toi, est-ce que tu me vois? Là, ah bah tu non, me vois encore. Tu me vois plus. Tu me vois un peu, tu me vois plus. Putain, oh, qu'est-ce que j'ai perdu la main. Pour peu que je l'ai eu un jour. Oh là là, j'ai un peu stressé. Si tu peux me remettre le minuteur que j'ai oublié à 28 minutes, ce serait cool. J'ai eu de la chance, tu sais, qu'il me détecte pas. Ouais. La première fois, la première là, fois quand que je l'ai raté, ouais. Parce que ça. Qu'est-ce qu'on raconte sur les deux guides locaux qu'ils ont chopés en dehors de la vallée? Ils ont dit travailler pour deux personnes, dont une jeune britannique. Ça ressemble à du Constantin tout craché. Celui qui la ramènera sera un homme riche. Tu fais partie des nouveaux, non? Premier contrat. J'ai des potes qui m'ont pistonné. Alors déconne pas. Tu trouveras pas de meilleur salaire, mais ils tolèrent aucun écart. Ils sont où les oiseaux? Tu les as détectés, toi? Non, je les entends parler, mais je les vois pas. On a l'impression que c'est un corps, ça, mais c'est pas un corps. Peut-être c'est à l'intérieur de ce... Auré, tiens. Ce petit bunker. T'as mis le minuteur, chez
Ouais. Cool. Merci ma chérie. Allez, on va rentrer. Excusez-moi. C'est pour ça que j'étais statique. Oh le bazar. Appelez-nous. C'était quoi là? C'est pas Super Nanny qui fait le ménage chez qui? C'est du propre. C'est du propre. C'est l'émission la plus dégueulasse du siècle. À chaque fois dans cette émission, je me dis. Pourquoi? Avec son doigt. Bah, elle va gratter dans les saletés. La meuf, elle te met son doigt dans les rebords là, de la cuvette des toilettes. Elle se dit, c'est un peu sale. On va analyser ce microbe. Ouais. Bon, elle analyse même pas. Elle voit que c'est crade. C'est... Putain. Niveau infiltration, c'est vraiment la meilleure. Hein. Oh mon dieu, ce rat! Oh putain, on dirait les rats à côté de mon école. Ouais, parce qu'à côté de mon école, il y a des gros rats comme ça. Ouais, elle, elle vit dans une zone. Elle... Dans un quartier un peu à risque. Voilà. Attends, est-ce qu'il y a du monde là? Oh là là, il a eu un problème lui. J'hallucine encore contre le rat. C'est mais un... c'est le rat qui lui a fait ça! Oh, viens par là, ratatouille! Flippant. Elle va avoir un temps, des douleurs de dos, elle. Ouais, on va essayer de passer discretos. Attends, c'est pas Jacob? Ils se ressemblent tous. J'espère que c'est pas lui. Attends. Mais non, là, il va te voir. En douillette. Putain, mais c'est un repère de rat. J'espère qu'elle est à jour dans ses vaccins. Tu crois faut que je mette le feu à quelque chose? Je sais pas trop. Ah oui, y a rien de spécial à part ça. Bon, on va en prendre une. Viser. On va essayer là-dedans. Pas mal, mais ça ne sert à rien. Je suis déçu. D'accord, non, mais. Je pense qu'il faut que tu grimpes. Tu sais, il y a une petite colline là, non? Regarde. Où ça là? Une pente. Tu vois une pente? À gauche. Ça, c'est une pente. C'est une pente, non? Pas mal. Non, c'est pas une pente. Non, ça m'a pas l'air d'être là. Je pense qu'il faut que je reparte avec. On va voir si je peux passer. Ah, bah non. Elle l'a laissé tomber. Bon, alors t'as raison, il y a un truc à faire. Sinon, il me demanderait pas ça. Ok, il m'en reste un. Yeah, parce que si t'as des mecs qui arrivent, tu vas être dans la merde. Ouais, bon bah je sais pas encore ce qu'il faut en faire, c'est pas grave, peut-être c'est juste... Peut-être que je comprendrai quand j'aurai buté le mec en bas. Par contre là, bon, vu que ça chauffe un peu, je vais prendre le pistolet avec le silencieux, hein. Ouais. T'as bien raison. Faut que je fasse comme ça, regarde. Quelle technique. Pouf. Mais alors là, c'était même limite, c'était beau, tu sais. Je trouve aussi. Quelle grâce dans le maniement de. Attends. Oh, l'écran j'ai, hein. Il est en train de dormir. Ouais, il est en train de dormir. Eh bien, va prolonger son sommeil. T'arriveras pas, la chérie. C'est sa tête là? Oh, le mec il s'est levé, mais. Oh, attends, hey, oh. Ouais, prenez-nous pour des cons aussi. S'il avait plus vite, tiens, qu'un samouraï. Allez, vas-y, oh. Ok, ok, allez, écoute-moi, vas-y. Bien. Bim. Je subis les tirs. Y'a que toi et moi. Y'a que toi et moi. Alors, t'es mal barré, mon gars. Parce que je suis énervé là. Oh. Ouais, et bah lui aussi. Enfin, t'es quand même meilleur que moi. Est-ce que tu ne peux pas l'atteindre, chérie? Voilà, d'en haut. Allez, voilà, exactement. Voilà là, et tu te canardes, chérie, hein.
je dois vous casser les oreilles, je suis désolée. Non. Vas-y quand même. Ouais. J'y vais, j'y vais. Vas-y, envoie-lui un rat. Vas-y. Alors mon gars, y'a que toi et moi, tu m'as dit, hein. Et maman. Tac. Bon, j'ai le visage un peu ensanglanté, ça va bien se passer. Soigne-toi un peu. Alors par contre, j'ai vraiment pas compris, parce que j'ai tiré une balle, il était allongé, il dormait, j'ai tiré une balle en pleine tête. Le mec, en l'espace d'une demi-seconde, il était debout avec son flingue. On l'a même pas vu, tu sais. Il s'est fait posséder par l'exorciste, c'est pas possible. Ou par Alan Wake. Ah. Ouais, c'est clair. T'as raison, on aurait dit... Non, Alan Wake. Oh là là, on m'a stressé. Hein. Et alors, surtout que j'avais pas vu l'autre. Ouais, le second, je pensais que c'était celui qu'on avait buté, mais en fait, non. Je croyais qu'il était mort l'autre, en fait, il était en train de dormir, un de chaque côté. Il dort avec un casque, c'est pas possible. Il s'était mis le gilet pare-balles comme oreiller. Fais attention en rentrant. Ah, okay. Mais c'est les... ceux que tu dois secourir. J'imagine, mais j'ai plus envie de les secourir. Les crever comme ça. Par ici. Ça va aller, je vais vous faire sortir de là. Et j'espère que vous avez quelque chose d'important à me donner. Alors, je vais vous faire sortir de là, mais elle a pas envie de... Ah voilà. Ah voilà. Un. Et... en voilà deux. Me dis pas merci surtout. C'est pas si de mal poli là. Ouais, j'ai gagné de l'expérience, mais... Je vais voir le, général, voir le des... général des rescapés. Rescapés. C'est quoi ce blaze? Bonjour, je suis le général des rescapés. Ah, bonjour, général des rescapés. Bon, ben, c'était une grosse prise de risque. J'espère que... Oups, j'ai ramassé... des petits objets. Ouais, ne remerciez pas. Attends, par d'où je viens déjà? De là. Ils sauront faire ça eux. C'est bizarre non qu'il m'ait pas suivi. Non non mais je pense que c'est bon chérie. Ok bon allez je laisse. Je croyais que Juliette devait s'occuper de ce boulot. Moi aussi. Baisse-toi. On raconte qu'il est parti en mission avec Constantin. Ah c'est les mêmes qu'on entendait depuis tout à l'heure. Ah merde. Désolé. Ils sont où ces cons? Attends je vais utiliser ma botte secrète. Je sais plus c'est quelle touche. Ah c'est celle-là. Non ouais c'est bizarre. Je les vois pas. Bon. C'est pas grave, j'aurai certainement affaire à eux plus tard. Oh ça c'est béni des dieux ça. Nickel, hein. Ça fait des raccourcis. Il va se manger un peu. Voilà. Oh là là, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Alors. Non, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Faut que je remonte tout ça. Allez, c'est parti. Tu vois, j'ai failli confondre avec mon objectif principal. Ouais. J'espère que le jeu emballait la chandelle. Ça s'active. J'arrive bientôt dans les territoires des loulous, ça veut dire. Les fameux, tes amis. Ouais. Mes amis, mes amours, mes amis. Ah. Ah oui, il y a les fameuses bombes artisanales qu'on peut créer. Il est là-dedans, là, le mec que je cherche. Le général des rescapés. Le général des rescapés. Putain, les écureuils, par contre, je m'en suis jamais fait un encore. Eh, hey, j'ai été étonné que tu ne cherches pas à tuer un rat. T'as vu comme j'ai. Ouais, comme t'as ouais. Bien sûr. Je suis fier de toi. J'ai trouvé vos guerriers. Général des rescapés. Ils sont vivants. Je commence à croire que votre venue dans notre vallée n'était pas un accident, Lara Croft. Vous savez qu'on n'a pas grand chose à offrir. Tu me touches pas déjà. J'espère que ça vous aidera. Infiltration. Mm-hmm. Tu peux aller voir ce que c'est? J'ai débloqué Bon Samaritain. Ouais, on va aller voir. C'est une compétence que j'ai débloquée ou je sais pas un, trop là. Ou un équipement peut-être. Un équipement, ouais. J'ai pas bien vu. On va voir.
Ouais, visiblement c'est bien un équipement. Dans infiltration, alors. Quoique non, c'est déjà un point de d'amélioration en fait. D'accord. Ouais, t'avais vraiment pas grand chose à offrir, ouais. Mais bon. C'est que laquelle notre préférée des armes là? Ouais, pour le moment on va rester sur elle quand même. Hein. Allez, on a amélioré le manchon de canon. Le revêtement en métal protège l'utilisateur contre la chaleur du canon, permettant ainsi un rechargement plus rapide. Ouais, t'as vu, ça applique à tous les fusils, donc... Quand je te disais lequel je choisis, en fait, ça avait peu d'importance. On va activer la compétence qu'on a gagnée. Du coup, c'est une double récompense, ouais. Alors, castagneur, peut-être que je la trouve pas très très forte en castagne. Ouais, ça je m'en fous un peu. Ouais, ça par contre, ouais. Allez, on part là-dessus parce que ouais. T'as vu, souvent là, je suis obligé. Quand je commence à taper un mec, je suis avec mon arc là, j'arrive pas à le buter. Et pendant ce temps-là, c'est du tir au pigeon. Ok, ça c'est cool. Bon, ça c'était la mission secondaire. Maintenant, on va pouvoir s'appliquer et se concentrer sur la mission principale. Est-ce que tu peux la rappeler? Par contre, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Hein. Un auré? Rappeler qui? La... non, la mission principale. Rejoignez l'usine de cuivre pour retrouver Jacob. On n'en sait pas plus. Tu te souviens, toi, chérie? Ou c'était... Non. Ah mais oui, mais Jacob qu'on avait retrouvé, tu sais, qui nous avait... Jacob, je vois qui c'est, ouais. C'est pas le problème, mais le... On sait... Je me souviens plus de la mission, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on a... Qu'on n'a pas pu jouer. Je dis plusieurs semaines, ça fait deux semaines. C'est déjà... Bah, c'est quand même, plusieurs, quand même semaines. Plusieurs semaines. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Oui. Allez, hein, pour les objets, là on continue l'histoire, les objets, ils attendront un peu. Genre on a eu la gentillesse d'aider le général des rescapés et les rescapés. Oh, la musique s'accélère, qu'est-ce qui se passe? Non. Eh, tu crois que je peux les shooter? Alors par contre, oui, c'est quand même par là que ça se passe, alors on y va. On devait pas pouvoir tant qu'on n'avait pas l'équipement, mais maintenant qu'on a l'équipement, ouais. On va peut-être pouvoir se faire plaisir. Escalader l'usine de cuivre pour rejoindre l'entrée de la mine. Ok, il y a un feu de camp en tout cas. Hey. Oh non mais attends! À bout de bras. C'est clair. C'est une survivor. J'espère qu'Alan Wake en prend des leçons parce que lui, il n'arrive pas à courir. Ouais, il joue pas dans la même catégorie. Il devrait se faire coacher par elle. J'ai peur de ça. Depuis que j'ai eu la mission là-haut. Lara, est-ce que tout va bien? Oui. Je suis au pied de la vieille usine soviétique. Je me dirige à l'entrée de la mine, en haut de l'installation. Vous pouvez me retrouver là? J'arrive tout de suite. Ok, donc j'étais en train de dire, j'ai juste un peu peur, j'ai pas beaucoup de soins. Je suis assez vulnérable en cas de pépins. Et vu que j'attire les pépins. Je regarde quand même qu'il n'y ait personne, ça a l'air désaffecté, mais bon. En ce moment. Un peu... Oh, tiens, on peut faire des fléchettes si on veut. En ce moment, il y a beaucoup camarade, de monde. Ce rapport fait suite à une découverte sans précédent dans les montagnes de la station Liberté. Notre équipe d'extraction en profondeur a mis au jour une gigantesque grotte remplie de ruines splendides et d'artefacts tels que notre patrie n'en a encore jamais révélé. Les ouvriers issus de la population native sont très agités depuis ces événements. Il est clair qu'ils savent quelque chose à propos de ces ruines. Nous allons désormais les faire travailler nuit et jour, car je sens que nous sommes sur le point de faire une découverte exceptionnelle. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces fringues, là? De toute façon, vous avez beaucoup d'endroits où dormir, mais
beaucoup trop d'entrée d'air là. Je suis obligé de te geler. C'est un détail, mais. Ça a son importance. Pour moi, oui. On va essayer de passer par là. Ok, j'ai récupéré. Ah bah tiens! C'était quoi? Ça va me permettre de me soigner. Ok. Donc j'ai le droit à une chance. C'est pas beaucoup une chance. Allez, là je continue à explorer. Pour le moment ça va, il n'y a pas grand chose, il va falloir que j'escalade. J'ai peur d'un face à face, un peu dangereux, tu vois. Ah ça tu peux pas. Oh non, le con. Je me trompe d'arme. Allez, re. Mais si tu peux, tac tac et bim. Voilà. Si jamais je dois m'enfuir, au moins. Il y a beaucoup de zones à explorer, hein. Ouais. C'est très vaste. Je m'y perds un peu là. Ok, des baies de goji. Pourquoi je peux pas les prendre? Ah bah si. Ah mais t'as vu, tu peux passer par plein de chemins. Une autre sculpture. Mais on dirait un jeu cette fois. Ah vas-y, j'adore. Inspecte. Excusez, il y en a plein qui sont tombés. Attends, ça a vibré. Ces pièces me disent quelque chose. Je suis sûre d'avoir déjà vu ça quelque part. Mais où ? Peut-être sur le jeu Tetris. Sûrement. C'est sûrement ça. Moi, j'aime bien parce qu'elle se pose une question, mais. Ah, comme elle s'est mise. Elle a descendu les escaliers d'une manière très rigolote. Mais après, t'as pas de réponse. Allez, bim. J'adore quand tu fais ça là. Ouais. Tac. En tout cas, on voit l'utilité de cette arme. Ok, allez, super, je vais pouvoir me soigner deux fois. Comme quoi, ça vaut le coup, tu sais, de passer quelques minutes à chercher. Complètement. Parce que quand ça va dégénérer, au moins, je souffrirai moins que ça. Allez, on va regarder ce qui s'y passe. C'était peu académique comme façon de monter sur l'échelle. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Non, manifestement rien. On va retourner au-dessus. Ok. Ça y est, on peut commencer un peu l'escalade de l'enflammade. On va encore créer une brèche. Bim. Bon, on est d'accord que ça c'est quand même l'action la plus surréaliste du siècle. Pour peu qu'on ait encore des doutes. Un petit potager à droite. Je crois qu'il allait ramasser tout ça, mais c'est nos affaires. Ah oh, c'est quoi ces lits dégueulasses? T'as vu? Ah ouais, j'avoue. Ça fait flipper quand même. Il doit vraiment y avoir des endroits où ça se passe comme ça. Ouais. Pas mal. Une tenue de camouflage. Oh mais c'est... Mais regardez-moi ça les kikis. C'est un putain de canon. Ah c'est énorme. Oh on dirait le Storm Tiger. Bon là toi chérie ça peut pas trop te parler. D'où mon silence pesant. Dans ma tête, il y a eu des bottes de foin, tu sais, qui tournaient. Bon, ça va, ici ça se passe bien. Est-ce qu'il faut que je tire là-dedans? Non.
Ah, défi de tombeau facultatif à proximité. C'est-à-dire, explorer le site pour trouver l'entrée. Viens voir sur la carte. Ah oui, quand même, il me l'a indiqué, mais genre super loin. Est-ce que ça pourrait être quelque part comme ici? Mais j'ai pas les explosifs encore. Allez, voilà, voilà. Cool. Encore de quoi me soigner, tu vois. Là, je suis bien. Alors ça, par contre, oui, je suis pressé de le débloquer. Ça va être vraiment utile, tu vois. Une fois que j'aurai débloqué ça, ça va être sympa. Ok, elle peut pas s'agripper là. Par contre, elle peut s'agripper là. Attends, je suis rentré là-dedans? Oui, je viens de là. Hein. Je sais pas. Ok, on remonte. Alors. Là, on peut continuer à escalader. Je suis allé voir. Je suis pas allé voir à droite. Ça n'a pas l'air de m'intéresser spécialement. On continue. Allez, agrippe-toi, lâche pas. Oh là là. Ouais. Non, Ray, bah non, il aurait fallu que tu... Et ouais, j'ai fait le coup. Tu t'es précipité un petit peu trop... précipitamment. Tu es forte pour me foutre le seum. Hein. Oh là là, les bugs. Oh là là. Merci, voilà. Mademoiselle. Parce qu'à un orteil près, t'avais la mort. Je devais tout refaire. Mais tu vas le choper, oui. Elle veut plus choper. Hein. Elle fait des sauts sublimes, mais. Ah, quand même. Pas toujours dégourdi cette Lara, hein. Ok, donc merci ma chérie. C'était bien là. Ok. Il y avait un rallyman là, côté de chez nous. Ok, on reprend le pistolet parce qu'il a son silencieux. Cette grosse caisse, non chérie? Faut rien faire avec. Quelle grosse caisse? À droite. À ta droite. Attends, là, je regarde ça même pas. Non. Peut-être monter dessus, oui. Ça c'est possible, mais d'abord je vais aller fouiller, d'accord? Des cages, traités comme des animaux. Ah, on va encore écouter un zigoto. Je doute qu'Anna partage notre foi. Je pense qu'elle fait ça pour une autre raison. Elle est tiraillée. Je comprends ce qu'elle ressent. J'étais pareil autrefois. Mais nous avons tous un rôle à jouer dans cette entreprise. Je suis reparti patrouiller pour voir si je pouvais faire une autre victime. Et sans surprise, j'ai liquidé une rescapée dans la dernière section. J'ai pris mon temps. Je l'ai tuée à main nue pour voir la vie quitter son regard. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle ait refroidi. Un pur délice. Constantin dit que grâce à la source, nous vivrons éternellement. Que nous pourrons contempler le visage de Dieu, mais je l'ai déjà fait. Ma place est ici. Ça m'aura pris du temps, mais... je suis chez moi. Je dirais que les Trinitaires, c'est d'abord l'esprit de famille. C'est ça. Beaucoup de chaleur et d'humanité. Tout à fait. Le partage. Ouais. Voilà, c'est ça, le partage. Ah. Négatif. Même si on en avait une, la révolte a causé de gros dégâts structurels. Ça va pas être de la tarte de monter là-haut. Oh non, la nature aurait pu leur droit. Cocktail Molotov. Vrai. Ouais. Le premier contact a eu lieu dans un des puits de mine. Ils ont réaffecté tous les hommes à l'excavation. En une semaine, les gars se sont révoltés. Ils ont fini par en avoir marre, c'est ça? Mais leur péter le. T'as vu comme c'est glauque? Ça va sauter. On tue tout ce qui bouge. Allez. Oh, j'adore. Nice. Mais tiens mon gars. Ah, je sais pas si on va y assez près chez... Ah si. Mais tu gères, la fougère. Non, ne panique pas. Ne panique pas. Bim, bim.
Bim, bim. Oh là là. Oh my god. Alors, cette compétence là. Oh, bah écoute, je suis fan. Mais alors On fait moins les malins. Comme tu les as torchés. Oh, je les ai ruinés. Oh, leur orgueil d'homme là. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Oh putain, ça les a calmés. Magnifique. Et avant, je serais mort. C'est vrai, n'empêche, hein. C'est très pratique. Et ça me fait plaisir parce que ça me rappelle que dans le 1, c'est ce qui se passait. Merde, une fois que je l'ai allumé. Oh le con. Tu devrais peut-être en débarrasser avant qu'il m'explose à la gueule. Je suis sûr que l'impact, il faut que je fasse brûler les tissus. Bon, en tout cas, le premier, il l'a bien mangé. Allez, c'était pas mal. Entre le cocktail Molotov et ça. Ah, c'est nous. C'est un lingot d'or. D'accord, là aussi, je pouvais fabriquer des bombes. Oh, je peux tirer là-dessus, j'imagine. Oui, il y avait des tunnels, ouais. Des tunnels. Tu es fatigué, non? N'importe quoi, ouais, c'est clair. Oh, un truc vide. J'adore perdre du temps pour rien. Ok. Là, il y a peut-être des choses à ouvrir encore. Bon, ça, c'était sympa en tout cas. Parce que j'ai ouvert ça. Ah, tu vois? Ouais. Vous voulez me tromper? Une combinaison bleue. Encore une. Dommage. Ouais, c'est pas de chance. Bon, en tout cas, content de cette nouvelle compétence. Et tu vois, c'était avec grâce au général des rescapés. Exactement. Donc, franchement, comme quoi il a un nom la con, mais il est vraiment bien. Ouais, ça valait le coup quoi. Et dans le précédent, Tomb Raider, c'est pour ça que j'étais un peu choqué là dans celui-là. Choqué négativement pour une fois. C'est que dans le précédent, justement, elle a rapidement cette compétence pour assassiner vite, tu vois. Vite et bien fait quoi. Et là, je trouvais que c'était un peu trop long à mon goût quoi. Parce que comme vous l'avez remarqué, je suis un mec un peu stressé. Quand il commence à y avoir beaucoup de monde, je galère un peu. Donc voilà, pour cet épisode, on va s'arrêter là. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, sous la plateforme rouge. Voilà, sous la plateforme rouge, effectivement. Ouf, on a zoomé un peu vite sur son visage. ce qui est intéressant, c'est voilà ce qu'on a pu débloquer. Et elle a des cernes. Non, mais n'empêche, c'est tellement bien fait que la meuf, elle a des cernes, quoi. Ouais, peut-être qu'elle les avait pas en début de partie, mais enfin, en début de jeu. C'est énorme, franchement. Mais maintenant, elle commence à sentir un peu la fatigue. Donc en tout cas les Kiki, merci de continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous encourager avec un j'aime, un partage, un bisou, un commentaire, ça fait toujours plaisir et à bientôt. Exactement. Pour continuer l'exploration et retrouver Jacob. Salut, salut. Ciao, bye bye.